Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler du bypass iCloud pour les iPhone 5S, 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus et iPhone X, sans toutefois oublier l'iPhone SE première génération. Donc, si vous avez l'un de ces appareils qui est bloqué sur le verrouillage d'activation iCloud, alors vous devez absolument suivre cette vidéo jusqu'à la fin, parce qu'à la fin de cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que vous allez pouvoir débloquer votre iPhone avec réseau. Donc vous allez pouvoir y mettre des appels, envoyer des SMS et faire tout ce que vous voulez avec votre appareil, parce qu'il y aura aussi la possibilité de mettre votre compte iCloud afin d'utiliser les services comme FaceTime, iMessage et bien d'autres. Donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo, mais avant de commencer cette vidéo, s'il vous plaît, laissez un like sur cette vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici je parle d'accès sur Android, iOS et aussi sur PC, alors cliquez tout simplement sur le bouton s'abonner, ensuite touchez la petite cloche de notification afin d'être notifié à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo en ligne. On commence le tutoriel maintenant. Hello, like, subscribe. Tout ce que vous aurez besoin ici, c'est d'un iPhone, un câble. Ensuite, vous aurez aussi besoin d'un PC Windows. Donc, je pense que la majorité des gens qui suivent ma chaîne ont un PC Windows. Et si vous n'avez pas un PC Windows, alors allez demander à votre ami, parce que c'est un truc qui va aller très vite et c'est très facile à faire. Et maintenant, vous aurez aussi besoin d'un peu de temps pour suivre cette vidéo. Ensuite, on commence le tutoriel maintenant. Au fait, j'allais oublier, avant de commencer cette vidéo, il va d'abord falloir faire le jailbreak de votre iPhone. Et si vous ne connaissez pas comment faire un jailbreak sur Windows, alors cliquez sur le lien de la vidéo que j'ai déjà fait. À la description de celle-ci, on commence le tutoriel maintenant, pour de vrai. Voilà, notre iPhone est opérationnel. J'espère que vous avez aimé la vidéo. En tout cas, si vous avez un iPhone XR jusqu'à iPhone 15 Pro Max, alors cliquez sur cette vidéo afin de le débloquer avec réseau. Et si vous avez envie d'apprendre le déblocage officiel, alors cliquez sur cette vidéo pour faire le déblocage officiel sur votre iPhone, iPad, MacBook et tous les appareils Apple bloqués sur iCloud. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci.